Je m'appelle Lionel Ortès, je suis chirurgien dentiste et j'ai fait aussi SUP de Co Nantes, ce qui me donne une double casquette. J'ai eu 3 cabinets dentaires, j'ai fait des diplômes universitaires et le côté entrepreneurial par SUP de Co. Donc j'ai cette double vision et dentaire et entrepreneuriale. Hippocrate Transactions a été créé il y a quelques années dans l'objectif d'aider les consoeurs et les confrères à céder leur cabinet. Le premier constat, il y avait beaucoup de vendeurs, tout le monde était au courant, mais surtout qu'il y avait beaucoup d'acheteurs. Et ça, c'était beaucoup plus surprenant. Donc on a beaucoup d'appels de confrères, de consoeurs, qui désirent acheter un cabinet dentaire, mais qui ne trouvent pas leur cabinet dentaire. Et la plupart du temps, quand ils ont un cabinet en vue, ils n'ont pas les informations suffisantes. Le processus de vente d'un cabinet commence par la demande du praticien vendeur qui nous contacte pour vendre son cabinet. On va lui envoyer les documents pour faire un audit, une expertise qu'on viendra lui présenter au cabinet. Un audit, c'est un document qui est assez important puisqu'il fait une 60aine de pages, qui est le reflet complet du cabinet. On ajoute aussi un document sur tout le dossier macroéconomique de l'endroit où se trouve le cabinet. Nous, on donne toutes les informations. Donc cet audit, une fois qu'il est fait, on passe des annonces sur des réseaux sociaux, sur les sites dentaires. Dans notre base de données, qui est très importante, on a beaucoup d'acheteurs qui nous contactent et on garde leurs coordonnées. On discute avec eux et une fois qu'ils ont toutes ces informations, on fait la visite du cabinet. On va s'occuper de l'engagement des deux praticiens puisqu'on va faire ce qu'on appelle une promesse synalagmatique, c'est-à-dire qu'il va engager et le vendeur et l'acheteur. On fait la promesse de vente et l'acte définitif d'achat du cabinet. Parallèlement, on s'occupe de l'immobilier et on se débrouille pour que le jour de la signature de la vente du cabinet, on fasse la signature des murs, sachant que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre le cabinet si on ne vend pas les murs et on ne vend pas les murs si on ne vend pas le cabinet. On va s'occuper de les aider dans la création de Alpha Omega. On met à leur disposition tout notre réseau, donc juridique, comptable, fiscal, etc., de façon à les aider. Donc on va faire la recherche des locaux, on va faire leur ménagement des plans, on va faire la communication interne, externe. On a cette casquette aussi de création de cabinet dentaire, quel que soit l'endroit. La deuxième facette, c'est qu'on fait du coaching et du coaching personnalisé. On se déplace dans les cabinets dentaires et on aide les praticiens par rapport à leurs demandes. C'est-à-dire qu'en fait, chaque demande de praticien est complètement différente du praticien d'à côté. On a aussi une carte d'agent immobilier de recherche de locaux, de vente ou de location de locaux. Donc si vous êtes un chirurgien dentiste qui souhaite vendre son cabinet, acheter son cabinet, créer son cabinet ou avoir une aide et avoir des séances de coaching à son cabinet, n'hésitez pas, on est à votre disposition.